Bonjour, bienvenue aux expériences de paysage. J'ai souhaité inviter ce matin Jean-François Blassel, qui est ingénieur diplômé de Centrale Paris en 78. En architecture, on peut dire que c'est un architecte américain, puisque tu as été diplômé dans une université de l'Ouest à Orgeon, c'est ça ? À l'horizon, oui. Ce double diplôme ingénieur-architecte t'a mené sur une longue carrière qui n'est pas du tout terminée, puisque tu as encore ton agence. Mmh. Et ça t'a fait aussi beaucoup voyager. Tu es allé à Osaka autour du grand projet d'aéroport avec Renzo Piano et de nombreuses aventures. Mais Jean-François Blassel, c'est aussi un enseignant. Il a enseigné en Pennsylvanie et puis à Marne, à la création de l'école d'architecture Ville et Territoire de Marne-la-Vallée. Et tu as créé le POCAP, Postmaster Post-Carbone. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés, puisqu'on a un enseignement commun cette année à Basse-Pointe en Martinique, sur lequel nos étudiants imaginent l'avenir de ce territoire qui subit des crises multiples. Et pour travailler ensemble ces sujets-là, de risques d'érosion littorale notamment, tu nous as proposé d'utiliser en quelque sorte la méthode de Christopher Alexander, Pattern Language, sur laquelle tu travailles depuis de nombreuses années, en fait, que tu apprécies. Le Pattern Language, c'est comme un réservoir d'idées qu'on met en commun et qui est très intéressant, je trouve, pour les paysagistes, parce que en fait, ça fait 50 ans que cette profession analyse les motifs de paysage, en fait. Et donc, c'est très proche de cette approche qu'on est très heureux de partager avec toi ce matin. Merci beaucoup. Donc, comme tu l'as dit, je suis architecte et ingénieur, et donc ça me met un peu dans une position de souffrir d'un léger cas de syndrome de l'imposteur, en me disant « qu'est-ce que je fais ici ? Je ne suis pas vraiment paysagiste ». Donc, il y a un pas de côté. Donc, je vais essayer de répondre et d'apporter ce que je comprends du « pattern language ». Béatrice a évoqué mon parcours, je vais le faire de façon assez littérale, ce qui peut être peut-être une façon d'introduire un certain nombre de préoccupations des patterns ou des motifs d'Alexander à la recherche de nouveaux universels architecturaux et urbains. Donc, pour commencer, voilà, j'ai eu l'occasion de vivre dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'environnements urbains et de cultures architecturales différentes. Donc, juste voilà, une série de photos, les Pays-Bas, la banlieue et le centre de Paris, le Maroc, les bidonvilles marocains, le campus américain sur la côte ouest en Oregon, le centre de Manhattan à Greenwich Village, Brooklyn, le centre de Gênes avec la voilà où quand j'ai travaillé chez Renzo Piano, la première toute première capitale du Japon à l'ombre du grand temple du Todaiji à Nara et puis de retour à Paris, voilà. Donc tout ça c'est une sorte de grand passage dans beaucoup d'endroits différents pendant, je pense, à peu près les 30 premières années de ma vie, qui fait que peut-être c'est une chose qui me rend assez sensible à ce que raconte Alexander, qui cherche justement à prendre des conditions locales pour essayer de chercher des dispositifs qui seraient plus généraux, plus universels et plus partagés. Aussi deux choses aussi pour un peu justifier aussi le fait que je sois pas totalement inintéressé par les questions de paysage. Mon double intérêt pour l'architecture et la structure m'ont un peu naturellement emmené dans la direction des ouvrages d'art, des petits ouvrages d'art, et où évidemment la question du paysage se pose de façon critique. Et donc, voilà, c'est quelque chose où qui fait que je me sens quand même, en dépit de mon absence de formation dans le sujet, beaucoup d'atomes crochus avec ce métier que je trouve très, très intéressant. Mais tout ça, c'est juste une petite introduction. Le vrai sujet, c'est la relecture du pattern language. Alors, je me rajeunis un petit peu. Parce que, en fait, ça fait un peu plus longtemps que ça que j'ai vraiment pris connaissance du pattern language, mais c'est peut-être pas très grave, ça fait un chiffre rond. Donc, ce pattern language, c'est à la fois une théorie et une méthode. Et en fait,
enfin, je me trouve y revenir assez régulièrement, et comme le rappelait Béatrice tout à l'heure, notamment dans le cadre de la formation en architecture post-carbone, où je trouve que c'est un outil extrêmement puissant, et donc je reviendrai un peu là-dessus à la fin. Mais peut-être commençons par le commencement, c'est-à-dire par l'auteur. L'auteur, donc Christopher Alexander, donc vous avez sa bio résumée à l'écran. Il décrit une sorte de une trajectoire assez paradoxale, puisque dans le fond, il part d'une culture mathématique, et puis donc il va d'abord traverser ses écrits et ses recherches en architecture, et puis il va progressivement basculer dans un autre point de vue, un autre paradigme, qui est celui qui va alimenter le pattern language. Donc les premières publications d'Alexander, c'est les deux livres de 63 et 64 qui sont lié à sa thèse, et donc les notes sur la synthèse de la forme, et puis Community and Privacy, et qui appliquent en gros la théorie des graphes, donc mathématiques, à la conception de bâtiments. Et dans les notes sur la synthèse de la forme, il y a un petit remerciement au début qui explique comment il s'est servi d'un ordinateur extrêmement puissant au MIT pour résoudre ce très complexe problème d'architecture qui est la conception d'une maison individuelle. Donc voilà, donc il est vraiment dans l'assemblage de ces choses-là. Et puis en 65, si je peux employer l'expression un peu familière, je sais pas, il vire sa cutie, il change de point de vue, et il écrit un article qui s'appelle The City is not a tree, donc la ville n'est pas un arbre. Alors c'est pas un arbre au sens de la plante, c'est un arbre au sens de l'arbre dans la théorie des graphes. Et donc un arbre dans la théorie des graphes, c'est quelque chose qui est hiérarchique, qui se subdivise progressivement, etc. Il dit non, en fait, les villes ne sont pas organisées comme ça. Et donc ça a été republié là assez récemment. Et à la suite de ce changement de point de vue, Alexander et son équipe, donc à ce moment-là, il est parti de la côte est des États-Unis sur la côte ouest, et il écrit avec son équipe à l'université de Berkeley une trilogie, qui est la trilogie qui donne lieu à la naissance du pattern language, donc de ce livre-ci sur lequel on va revenir. Donc, et puis après ce travail sur le pattern language, il va continuer à travailler avec des livres sur la nature de ce qu'il appelle l'ordre ou la structure de l'espace. Et donc sur lequel dont je parlerai moins, parce que c'est moins directement applicable à ce qui nous intéresse. Ces trois livres, dans l'ordre, pas de publication, mais dans l'ordre, disons, logique, sont d'une part The Timeless Way of Building, donc la façon intemporelle de construire, le pattern language. Puis le Oregon Experiments sont trois livres qui font écho les uns aux autres. Le premier donc pose un cadre théorique, si on veut. Le second est plutôt le manuel, qui enregistre donc un langage des patterns, donc ce que lui appelle pattern, et peut-être on va chercher une traduction, un équivalent en français qui est un peu pas tout à fait facile à trouver. Et le dernier dans la séquence logique est celui de Oregon Experiment, donc qui est effectivement une expérience, une mise à l'essai, un test de la méthode du pattern language qu'Alexander et son équipe vont mettre en œuvre sur le campus de l'Université d'Oregon, ce qui fait aussi que peut-être, c'est peut-être pour ça aussi que c'est l'université où j'ai fait mes études, et donc qui était quelque chose de très présent dans le corps enseignant de l'école, qui avait beaucoup participé à ces recherches au moment où je m'y trouvais. Alors, dans le Timeless Way of Building, donc Alexander expose son postulat ainsi. Donc je lis la citation.
Il dit il existe une façon intemporelle de construire. Elle a des milliers d'années, mais elle est aujourd'hui identique à ce qu'elle a toujours été. Les grands bâtiments traditionnels du passé, les villages et les tentes où l'homme se sent chez lui, ont toujours été réalisés par des gens qui étaient très proches du cœur de cette façon de construire. Comme vous le verrez, cette voie donc, conduira à quiconque est à sa recherche vers des bâtiments qui sont aussi anciens dans leur forme que le sont les arbres ou les collines, ou que le sont nos visages. Donc il cherche quelque chose de vraiment très ahistorique, permanent. Il va essayer d'écrire ça. Donc juste très vite sur ce qu'il a fait ensuite, dans les années 2000, donc Alexander, on est venu à penser que les patterns en eux-mêmes ne suffisaient pas, et donc il faut comprendre qu'il existe une forme de morphogénétique de la formation de l'environnement bâti, et donc il y a une nouvelle série qui s'appelle The Nature of Order, dans laquelle il s'intéresse non seulement à l'environnement bâti, mais aux tapis, aux œuvres graphiques, enfin à beaucoup de choses, et donc qui propose une façon de comprendre comment on peut entrer en contact avec un processus qui parviendra à générer ce qu'il appelle la vie dans les bâtiments, ce qu'il appelle par ailleurs parfois la qualité sans nom. Juste, évidemment, je pense que vous l'avez déjà compris, Alexander, donc dans ses patterns, donc dans ses listes de prescriptions en quelque sorte ou de conseils, utilise ce plan emblématique de la maison Farnsworth de Miss Sandero pour expliquer que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Alexander dans le pattern qui s'appelle The Shape of Indoor Space, donc la forme de l'espace intérieur, accompagne cette illustration du commentaire suivant. Les carrés et rectangles parfaitement cristallins de l'architecture ultramoderne ne font aucun sens du point de vue humain ou structurel et sont que l'expression des désirs, des fantasmes rigides qui animent les hommes lorsqu'ils se préoccupent seulement des systèmes et de leurs moyens de production. Donc, évidemment, donc cette position, donc elle est explicitement anti-moderne. Les années 80, c'est de toute façon déjà une période de remise en question du modernisme avec le postmodernisme. Mais lui va pas chercher dans l'histoire classique. Lui va plutôt chercher dans les architectures, les vernaculaires mondiaux. Et donc, je pense qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une autre forme de crise architecturale et qui est provoquée ou qui nous parvient en raison des bouleversements environnementaux en cours et qui exige certainement qu'on fasse un inventaire critique de la modernité pour savoir ce qu'on doit garder, mais aussi ce que la crise environnementale doit à la modernité, y compris architecturale. Je rappelle que les bâtiments, c'est comme à peu près 40% des émissions carbone dans le monde. Donc voilà, dans le fond, Alexander est un sorte de précurseur de ces questions-là. Et c'est intéressant, quand on rouvre Alexander, on trouve, ah tiens, il avait pensé à ça aussi il y a 50 ans. Ah oui, tiens, c'est marrant, ça fait vraiment sens aujourd'hui. Important également, je pense que Alexander, il se situe ailleurs que dans l'histoire savante de l'architecture et ailleurs que dans l'histoire de l'architecture savante. Donc, on pourrait penser qu'il y a une sorte de forme de nostalgie, un côté un peu roots, de retour en arrière, une sorte de romantisme du retour à la terre ou de retour au jardin. Et peut-être qu'on peut trouver effectivement dans le pattern language des échos de formes urbaines et de modes d'occupation du territoire qui sont très présents dans les collines de la baie de San Francisco, notamment autour de Berkeley, qui sont influencés par des architectes comme Mebeck ou Julia Morgan, ou encore pas à San Francisco mais à Los Angeles, les frères Green. Et donc qu'on peut rattacher quelque part au mouvement des arts and crafts, ce qui est aussi un moment historique assez intéressant où la modernité telle qu'on la connaît se détache d'une branche qui poursuivait plutôt une forme de réflexion sur l'architecture vernaculaire traditionnelle, etc. Le pattern language, je vais vous montrer, donc ça c'est une planche de photos extraite du pattern language. Et c'est assez intéressant la façon dont le texte est mis en forme. Vous pouvez voir que
Ça ressemble, c'est un format qui ressemble un peu à celui des bibles qu'on trouve dans les motels américains. C'est le même papier, un peu fin, parce qu'il y a beaucoup de pages. Et donc, il a un peu ce caractère un peu de livre qui compte. Le choix des illustrations est pas du tout fait comme serait plutôt la tendance de choisir des illustrations qui nous séduiraient par leur côté spectaculaire ou coloré, tout est en noir et blanc. Les croquis qui accompagnent, les diagrammes qui accompagnent les patterns sont plutôt des petits dessins très simples, voire peut-être un peu vilains. Donc il n'y a pas du tout de tentative de séduction graphique. Les tables, les photos sont de petite taille. Elles sont relativement rares finalement. Il y en a une par pattern. Elles sont dans une forme de noir et blanc assez peu contrastée. Donc c'est un peu ça ressemble peut-être à de l'impression d'un journal, d'un quotidien. Donc vraiment, on n'est pas à la recherche de la séduction graphique. Les images sont pas toutes créditées. On sait pas très bien d'où elles viennent. La qualité laisse penser qu'elles sont plutôt repiquées directement c'est du second ou de la troisième source. D'ailleurs, il le dit quelque part. Alors, parfois, on reconnaît, une image de Doisneau, une image de André Kertész ou Cartier-Bresson. Ça présente des images qui sont majoritairement européennes, parfois est-européennes ou méditerranéennes, et qui sont aussi donc non seulement décalées dans l'espace de la rédaction de ce texte, mais aussi décalées dans le temps. C'est souvent des photos qu'on a un peu de mal à dater, mais on voit, enfin, pour celles qu'on peut reconnaître, on peut imaginer. Ben, celle qui illustre l'affiche de l'exposition, par exemple, elle est prise, je sais pas, dans les années 40 ou 50, quelque part en Italie. Et donc, on n'est pas dans l'actualité. Il cherche vraiment à s'inscrire à nouveau dans une sorte de généralité. Et on le voit aussi dans les localisations qu'on devine ici, pas spécifiques. Alors peut-être que l'anonymat de ces sujets, on peut peut-être le rapprocher aussi de l'intérêt qui a été porté dans les années 60 et 70 aux architectures anonymes, aux architectures traditionnelles, aux architectures vernaculaires, telles qu'elles ont été documentées par exemple Bernard Rudowski dans son livre et dans l'expo au MoMA de Architecture Without Architects. Ce que Alexander recherche donc dans le timeless way of building et le pattern language, cette façon de construire un temporel qu'il appelle la qualité sans nom, c'est une qualité qui est liée aux besoins humains. Et donc il essaie de retrouver quelque chose dont la philosophie, la pratique architecturale contemporaine nous coupe. Nos édifices et nos organisations, nos villes, à la fois des êtres humains et de la nature. Et donc, cette approche assez dépouillée, peut-être qu'on pourrait aussi la décrire comme zen ou taoïste, parce qu'il y a aussi beaucoup d'influence, y compris dans la façon d'écrire, de littérature orientale où les choses sont pas tout à fait dites, elles sont toujours un petit peu laissées, un petit peu une sorte de non-dit qui laisse place à une interprétation un peu à la limite mystique. Et donc ce que fait Alexander, donc quand il va chercher ces patterns de l'architecture ordinaire d'un peu tous les pays du monde, toutes les cultures du monde, c'est d'être à la recherche d'un variant. Alors lui et son équipe prennent la précaution d'essayer de eux-mêmes évaluer le caractère plus ou moins variant de leurs patterns. Donc certains sont 3 étoiles, donc ils pensent que c'est vraiment du solide. D'autres sont 2 et d'autres n'en ont qu'une. Mais ça rappelle aussi d'autres démarches anthropologiques. Je pense par exemple à ce que André Leroy-Gourand fait dans L'homme et la matière, où il va chercher, en fait, dans la collection du Musée de l'Homme, des façons dont les outils sont finalement se retrouvent à travers toute une série de cultures premières du monde qui n'ont pas de lien physique ou culturel entre elles. Et donc, Alexander, bien qu'il cherche des universels, ne prétend pas avoir trouvé
un universel. Et donc, le titre du livre, un pattern language, un langage des motifs, c'est pas le langage des motifs. Et d'ailleurs, dans la méthode, Alexander explique bien, il invite les futurs utilisateurs du pattern language d'abord à faire une sélection dans cette bible imposante de ceux qui sont pertinents par rapport à la question posée, mais aussi d'écrire leur propre pattern, c'est-à-dire de par rapport aux situations auxquelles ils sont confrontés, de poser ce qu'ils trouvent comme dispositif qui vont permettre de répondre aux conditions situées du projet qui est en cause. L'autre chose intéressante à dire au sujet du pattern language, c'est qu'en fait, il a évidemment été destiné aux professions qui s'occupent globalement de l'aménagement de nos espaces de vie, donc qui vont, les échelles qu'ils balayent vont de l'aménagement du territoire jusqu'à en gros, la moulure autour d'une fenêtre, donc il y a un grand nombre d'échelles, mais plutôt des professions comme les nôtres, d'architectes, d'ingénieurs, d'urbanistes, de paysagistes, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pattern language a aussi inspiré d'autres démarches dans d'autres disciplines, donc notamment en programmation, d'une sorte d'informatique, d'une sorte de retour de Alexander vers les... Enfin, c'est pas lui qui l'a fait, mais des informaticiens se sont saisis des principes du pattern language pour faire de la programmation. Et puis, peut-être plus près de nos propres programmations, dans ce livre, donc Sun, Wind and Light, qui est un manuel d'architecture bioclimatique écrit par des enseignants de l'Université d'Oregon, on trouve aussi l'introduction de nouveaux patterns qui vont être, eux, liés aux questions d'environnement, d'architecture bioclimatique, d'échanges énergétiques, de confort, de lumineux, thermique, etc., etc. Donc on voit que la méthode, elle est assez fertile, elle n'est pas fermée, elle est plutôt destinée à être ouverte et partagée, et ça aussi, c'est quelque chose d'assez précurseur et d'assez intéressant. Bon, alors ça fait pas mal de temps, c'est un bon quart d'heure, je pense que je parle de pattern, de machin et tout, j'ai toujours pas expliqué ce que c'est, donc je vais le faire maintenant. Donc, alors d'abord je voulais revenir sur le terme lui-même en anglais, parce qu'il est polysémique, il a plusieurs sens, et donc c'est ce qui rend sa traduction en français assez délicate. D'abord, ça a le sens d'un motif, c'est-à-dire comme dans un ornement, c'est un dispositif, un dessin qui est répété comme un motif, je sais pas, un imprimé ou une moulure, quelque chose comme ça, sur lequel on va retrouver ça. Ensuite, c'est aussi une disposition ou quelque chose qu'on va retrouver régulièrement. Donc là, j'ai mis un peu des synonymes aussi dans des objets comparables. Donc, un pattern, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Donc, c'est aussi une forme... voilà, bon, je suis en train de vous lire ce qu'il y a à l'écran, donc je pense que vous pouvez le faire aussi bien quoi, c'est pas forcément la peine. Mais en tout cas, on comprend peut-être la difficulté qu'il y a à trouver une vraie traduction qui rend compte de tous ces sens en français. Et il se trouve qu'en plus, en anglais, pattern, c'est aussi un terme qui est utilisé dans la psychologie comportementale, qui décrit des comportements répétitifs, récurrents. Et puis, il y a peut-être encore une dernière chose, c'est au 19e siècle, quand les États-Unis se sont construits beaucoup, puisque il y avait cet énorme afflux de population, existaient aussi des livres qu'on appelait les pattern books, qui étaient en fait des plans tout faits de maison, qu'on pouvait acheter, on choisissait sa maison, puis ensuite on trouvait un charpentier, ou bien on prenait une scie, un marteau, et on construisait sa maison en fonction de ces pattern books. Donc il y a toute cette espèce de poids, de sens multiples, qui n'a pas vraiment d'équivalent français. J'ai envie de l'appeler les motifs, parce que ça reprend un certain nombre de sens, et je vais essayer dans la suite de la présentation, comme j'essaie de le faire avec l'équipe du POCA qui travaille avec ces, de faire la distinction entre ce qu'on va appeler les motifs et ce que Alexander appelle les patterns. Quand je parle du pattern language, bien je parle de ce que dit Alexander, quand je parle de motifs, je parle du contenu, vraiment des patterns eux-mêmes. Je vais essayer de ne pas me prendre les pieds dans le tapis sémantique. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'un pattern? Donc, ici, vous trouvez une petite collection d'illustrations choisies à l'intérieur du livre. Donc, là, ce sont les petits croquis dont je vous ai parlé, qui illustrent. Ils illustrent pas forcément le pattern. Ils essayent d'expliquer, d'accompagner la discussion. Alors,
En fait, dans le Timeless Way of Building, Alexander explique qu'un bâtiment ou une ville ne peuvent devenir vivantes qu'à condition d'être organisées suivant la façon de construire intemporelle qu'il essaie de promouvoir. Et donc, cette capacité, pour Alexander, elle dépend que notre capacité à la laisser être, à la laisser arriver. Et donc, il explique que cette qualité, elle est précise, objective, on peut pas la nommer, mais elle est à la racine de la vie, de l'âme d'une personne, d'une ville, d'un bâtiment, d'un espace ou d'un espace naturel. Il parle beaucoup de créations qui sont vivantes, et bien sûr qui peuvent être parfaitement inanimées. Hein, je ne parle pas forcément du vivant au sens on pourrait l'entendre des paysagistes. Et donc il explique également que la recherche de cette qualité, elle est au cœur de ce que tout individu fait dans sa vie, et que les moments où on est vraiment engagé dans cette recherche sont ceux où également nous-mêmes nous sentons le plus vivant. Et c'est peut-être là que c'est le plus intéressant, il explique que afin de définir ce qu'est cette qualité dans une ville, dans un bâtiment, etc., il faut commencer par comprendre que le caractère de tout lieu repose sur la répétition d'un certain nombre de motifs, les patterns, d'événements. Et donc ces motifs d'événements, et c'est là où l'articulation est intéressante, sont toujours enchâssés, travaillent avec des organisations géométriques dans l'espace. Donc lui, ce qu'il essaye de faire avec les patterns, c'est de trouver une coïncidence entre des façons d'être, des usages peut-être, des façons de vivre, et des organisations spatiales. Et il essaie de le faire de façon générique, c'est-à-dire que c'est pas un dispositif précis, c'est pas un catalogue de dispositions particulières, c'est une façon d'être par rapport, une façon d'organiser l'espace par rapport à un problème, on pourrait dire, ou une question particulière. Et donc, il explique, il donne plusieurs métaphores pour essayer d'expliquer ce qu'est un pattern. La première est celle d'atomes ou de molécules qui seraient ce dont seraient composés nos bâtiments, nos aménagements, nos villes. Et également, il parle de graines. Il y a une analogie cette fois-ci avec une plante, en disant que le pattern, c'est simplement une graine, et qu'ensuite, évidemment, une fois qu'elle est plantée, chaque individu est différent de tous les autres individus, légèrement, mais ils ont tous leur propre identité, même s'ils appartiennent à une même espèce, une même variété, etc. Et donc, ce à quoi servent les patterns and pattern language, c'est à établir donc une langue, un langage qui permette d'échanger, de se mettre d'accord sur les projets. Et donc ça aussi une fonction extrêmement importante, c'est que ça permet de travailler ensemble. C'est-à-dire que à partir du moment où on se met d'accord sur un certain nombre de motifs élémentaires, on peut ensuite s'en servir pour échanger et travailler collaborativement. Et c'est aussi la condition extrêmement importante, et même la raison d'être du pattern language, c'est de faire, de donner un outil pour travailler à plusieurs. Et donc, c'est ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, donc, ça permet à un groupe de travailler sur des projets de différentes échelles et de concevoir un environnement de façon collaborative. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on choisit les patterns qui nous intéressent, on écrit ce qui nous manque. On travaille alors plutôt de façon descendante dans les échelles. Vous verrez que les patterns sont organisés par grosso modo par échelle, et ils sont dans le pattern language lui-même. Il y a des suggestions de liens logiques entre ces motifs, et donc on essaye de travailler, de constituer comme ça le projet à partir de ces molécules ou de ces atomes élémentaires. Alors, les effets du pattern language sur le campus de l'Université d'Oregon, donc, sont toujours là. Alors, ils sont modestes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que 40 ans après, ou 50 ans après, le plan directeur de l'Université d'Oregon est toujours dans la continuité du travail qui a été mené par Alexander. Et ce travail est organisé autour de six grands principes.
Et le premier, et peut-être le plus important, est celui de l'ordre, ce qu'il appelle l'ordre organique. Je pense que ça vous parlera plus qu'à des architectes. C'est-à-dire, c'est l'idée que quand on fait un projet, il n'est pas fini au moment où on le livre. Et en fait, le projet va continuer à évoluer. Et donc, c'est évidemment vrai quand on plante, parce que les plantes ne s'arrêtent pas de grandir au moment où on livre. Mais pour les bâtiments, c'est moins évident. Et en fait, ils continuent à vivre, ils continuent à se développer. Et ce que propose Alexander, c'est qu'effectivement, on réfléchisse au campus, on réfléchisse à une ville, comme à une structure organique qui va effectivement, elle va pas être construite d'un seul coup, elle aura pas les qualités qu'il faut si elle est construite d'un seul coup. Et en fait, on la construit comme quelque chose d'organique qui va toujours être en équilibre, toujours qualitatif, mais toujours capable de s'adapter, toujours capable d'évoluer. Et donc, dans lequel il y a une sorte de croissance continue, d'adaptation continue. Et donc, la démarche, elle part de diagnostic, donc la façon de regarder l'espace et de repérer justement ces motifs dans l'espace, de les rédiger, ensuite d'organiser une participation des futurs utilisateurs du projet, et puis ensuite de coordonner les interventions pour qu'effectivement l'équilibre organique de la. Alors, je ne parle pas de forme, hein, je parle vraiment d'un organisme dans lequel les parties correspondent les unes avec les autres et s'entraident. Fonctionne, on pourrait dire en synergie peut-être. Donc voilà. Là, je peux pas vous décrire chacun des patterns parce que là, on est là pour 3 jours. Je vais juste faire prendre quelques petits exemples. À la fin, je vous montrerai. Je donnerai un lien parce que dans le travail que j'ai fait pour cette conférence, j'ai trouvé quelque part sur le net quelqu'un qui a décidé de donner le mal de transcrire l'entièreté du pattern language en un site web. Donc, si vous êtes intéressé, curieux, etc., vous pouvez aller explorer le texte original directement sur le web. Donc, juste dans une version d'abord très très simple. Donc, je les ai pris. Je peux pas dire pas tout à fait au hasard parce qu'il y en a quelques-uns que j'aime bien, mais on pourrait vraiment on pourrait prendre beaucoup. Donc là, cela se situe, donc je l'ai dit, par échelle. Donc le 8, il est très en amont. Donc c'est l'idée que la ville, elle n'est pas homogène, elle est plutôt fabriquée d'éléments qui ont des caractéristiques de culture spécifique, qui forment une mosaïque, et que c'est plus riche et plus intéressant d'avoir quelque chose dans lequel il y a des contrastes que d'avoir quelque chose qui est parfaitement uniforme. Et donc le pattern, contient à la fois une réflexion sur des situations actuelles, mais aussi une vision sur des situations futures dans lesquelles, pour reprendre la métaphore d'Alexander, les graines qui ont été plantées auraient toutes été cultivées, auraient toutes grandi. Donc voilà, ces deux-là sont assez liés. Et donc l'idée qu'on puisse identifier un quartier identifiable, et la mosaïque des cultures vont ensemble. Et donc le pattern décrit un problème qu'on trouve, une situation qu'on trouve de façon récurrente dans l'environnement bâti, et il apporte une réponse fondamentale à ce problème sous une forme qui peut être répétée, comme le dit Alexander, un million de fois sans jamais être identique. Voilà, donc dans les échelles, donc là on est passé de la dizaine à 133, donc là on est rentré à l'intérieur du bâtiment, donc là ça porte sur l'escalier, dont il propose que l'escalier ait les caractéristiques d'une scène de théâtre, c'est pas juste une façon de se déplacer d'un étage à l'autre. Et donc la structure des patterns est très très régulière, très 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 établie. En fait, chaque pattern est constitué donc d'un paragraphe d'introduction qui explique comment ce je devrais dire motif ou pattern là, est relié au précédent. Une ligne, en général une seule phrase en gras qui fait le résumé du problème posé. Ensuite, un argumentaire qui va venir expliquer les détails, donner le contexte et les manifestations de la question qui est posée par le pattern. La solution, qui à nouveau se retrouve en gras, qui est toujours précédée d'un therefore, et par conséquent, faites ceci.
Et puis ensuite, il y a souvent le petit schéma qui accompagne l'explication de la solution. Et finalement, un autre paragraphe qui fait le lien avec les patterns suivants. Là, donc, ce qui fait que la structure logique des patterns, c'est ni une séquence, enfin, même s'ils sont ordonnés numériquement, parce que c'est un livre et qu'un livre, c'est une séquence linéaire, mais il fait beaucoup d'efforts pour bien montrer qu'en fait, ce qu'il décrit, c'est pas un espace unidimensionnel, mais c'est un espace bidimensionnel dans lequel les choses sont reliées les unes avec les autres, et ça fait un tissu, une sorte de toile, de fils qui sont tissés entre les patterns et qui fabriquent des espèces de sous-entités qui changent toujours en fonction des patterns et qui leur donnent leur cohérence et qui font qu'effectivement on arrive à quelque chose qui forme un tout mais qui est jamais toujours le même. Donc, juste pour prendre à nouveau, ben voilà, c'est la suite de Staircase as a Stage, donc l'escalier comme scène de théâtre. Donc, ça s'ouvre sur la photo. Donc, vous voyez que là aussi, on est dans l'anonyme, on est dans l'intemporel d'une certaine façon, en tout cas, dans le passé. Alors, voilà, donc ce que j'ai entouré ici, c'est la petite phrase déclarative qui dit. Un escalier n'est pas seulement un moyen de passer d'un étage à un autre, l'escalier est lui-même un espace, un volume, une partie du bâtiment. Si cet espace n'est pas rendu vivant, il sera un lieu mort et contribuera à désintégrer le bâtiment et à démanteler les processus qui s'est passé à l'intérieur. Donc lui, on va beaucoup retrouver vivant, live, etc. C'est l'idée vraiment que les bâtiments soient des lieux de vie. Donc ensuite, ça va être suivi du développement, donc vous voyez ici dans une espèce de grille là, avec ces petits schémas. Donc voilà, on le voit ici. Donc là, c'est l'argumentaire qui explique pourquoi il fait cette proposition, pourquoi il porte ce point de vue, ce regard sur ces questions. Et donc là, il va chercher des sources dans des articles scientifiques, dans toute une série de sources assez disparates, hein. Qui serait d'ailleurs très intéressant de vraiment recenser un peu, faire un catalogue raisonné des ressources, ça serait sûrement un travail intéressant à faire. Et puis, ça termine par la petite conclusion qui dit d'abord, c'est pourquoi placer l'escalier principal dans une position clé, centrale et visible, traiter l'ensemble de l'escalier comme une pièce, ou s'il se trouve à l'extérieur comme une cour, comme un balcon, aménager de manière à ce que l'escalier et la pièce ne fassent qu'un, l'escalier descendant le long d'un mur ou des deux murs de la pièce, élargissez le bas de l'escalier avec des fenêtres ouvertes ou des balustrades et des marches larges afin que les personnes qui descendent l'escalier fassent partie de ce qui se passe dans la pièce pendant qu'elles sont dans l'escalier et que les personnes en bas utilisent naturellement l'escalier pour s'asseoir. Voilà. On en trouve une aussi celle qui suit aussi, que j'ai un petit peu, voilà, Zen View, donc la vue zen. Et donc dans la vue zen, en fait, voilà, donc il est très court et je pense qu'il est assez démonstratif de certains points de vue d'Alexander. Il dit l'archétype de la vue zen se trouve dans une célèbre maison japonaise, d'où le nom de ce motif. Et donc voilà, ça c'est première déclaration. Et donc c'est pourquoi, si la vue est splendide, ne la gâchez pas en construisant d'immenses fenêtres qui sont dirigées vers cette vue. Et donc placez plutôt les fenêtres de façon à ce qu'elles soient dans des endroits de passage, le long de cheminement, dans des couloirs, dans des entrées, dans des escaliers, entre les pièces. Et donc, si cette fenêtre est bien placée, les gens apercevront cette vue en s'approchant de la fenêtre ou en l'allongeant, mais la vue n'est jamais visible depuis les lieux où les gens stationnent. Donc voilà, et puis là, les liens avec l'amont et l'aval. Donc il y a quelqu'un qui s'est intéressé donc justement à retracer ces liens avec l'amont et l'aval. Et donc, tout autour de ce cercle sont disposés les 253 patterns du langage. Et donc, chacun des fils montre les liaisons logiques qu'ont imaginées les rédacteurs du pattern language entre eux. Donc, on voit que cette espèce de texture, elle montre comment il y a des densités qui se développent autour de certains patterns et comment, donc, on n'est pas dans une liste désorganisée, on n'est pas dans le fameux arbre qu'a renié spectaculairement Alexander dans son Cities Not a Tree, on est réellement
une tapisserie, et c'est aussi une métaphore qu'il aime bien, dans lequel voilà, des fils relient un certain nombre de choses les uns aux autres, et les fils dans une tapisserie, à propos, ça fabrique des motifs aussi. Hein. Donc, et Alexander est aussi très, enfin, il a écrit un livre aussi très célèbre. C'est un grand collectionneur de tapis anciens turcs, et donc il a écrit un livre très célèbre et très cher parce que très bien illustré pour le coup sur ces tapis anciens. Donc il est un peu fasciné par ces questions-là. Et donc il y a une sorte de logique organique qui s'installe dans ces patterns. Alors j'ai fait quelque chose, je ne sais pas, j'espère que vous allez pouvoir le supporter. J'ai essayé de donner une vue de la liste complète des patterns. J'ai essayé de le faire assez vite parce que je pense que ça va vite devenir assommant. Levez la main si vous ne le supportez pas, quelque chose comme ça. Dans les échelles, donc il commence par la ville, les villes et les agglomérations. Donc, vous voyez que ça occupe la partie supérieure du l'espèce de part de tarte qu'on voit ici à l'écran. Et donc là, le livre traite de villes, de ce qu'il appelle les communautés. Donc, c'est les communautés humaines et les villes. Et donc, il explique qu'à cette échelle-là, c'est justement l'ordre organique dont je vous parlais tout à l'heure pour le campus d'Oregon. Ça se construit pas en une fois. C'est des choses qui se planifient et donc collectivement. Et donc, il dit, seule une croissance patiente où chaque action individuelle contribue au fur et à mesure à générer des motifs globaux, toujours plus vastes, permet d'aboutir lentement mais sûrement à une communauté qui, au fil des ans, possède les qualités recherchées. Donc ça, c'est l'idée qu'effectivement, c'est une construction progressive, itérative, mais il est toujours très intéressé à ce qu'elle soit toujours en équilibre. Donc voilà la liste des titres, je vais pas vous la lire, vous pouvez la lire très rapidement. Donc ça commence au niveau vraiment de l'aménagement régional, on trouve quasiment la notion de biorégion déjà dans Alexander, puis ensuite comment les villes sont réparties sur le territoire, etc. Bon, je sais pas. Donc il parle de politique régionale, il parle de voilà, puis il descend jusqu'au rapport entre l'urbain et le rural. Voilà quelques illustrations de ces patterns, mais pareil, j'ai passé assez vite. Ensuite, il descend à l'échelle des quartiers et des communautés, puisqu'il y a toujours l'organisation physique et l'organisation humaine qui sont complètement liées à toutes les échelles. Donc là, il insiste sur le fait que c'est pas seulement une question physique, architecturale, urbaine, paysagère, mais c'est aussi une question politique. Et donc, il dit, voilà, à travers les politiques urbaines, encourager la formation de structures majeures qui définissent la ville. Et donc, que ça soit contrôlé par la communauté, par des processus démocratiques, et qui finalement se manifeste par des lieux qui soient identifiables physiquement, et aussi qui soient en réseau. Donc là, cette communauté, elles sont mises en réseau les unes avec les autres, à la fois sous la forme d'informations, mais aussi sous la forme de réseaux avec des dispositions très pratiques sur les réseaux routiers, les réseaux de circulation, les réseaux de transport en commun. Donc il propose là aussi, c'est plutôt assez inhabituel, je pense, pour les années 70, d'avoir des minibus à la place des grands transports en commun, etc. Donc voilà, deux nouvelles illustrations de ces patterns. Et puis ensuite, il va descendre dans ce qu'il appelle les caractéristiques locales de l'environnement, et donc à nouveau, dans lequel il propose qu'il y ait une disposition politique, collective, communautaire, qui permettent de déterminer le caractère de l'environnement dans lequel on va vivre, et donc qui sont dirigés par les principes fondamentaux qui sont décrits par les motifs, et en même temps, il propose que chacune de ces communautés, de ces collectivités, elles s'organisent de façon à créer des petites centralités locales. Donc plutôt que d'avoir une disposition, disons, métropolitaine, avec tout concentré dans des lieux qui avec une très très forte intensité de collectif, de plutôt créer des têtes de micro-centralités à toutes les échelles, hein, parce que tout ça c'est aussi assez, comment dire, fractal, sa réflexion, c'est-à-dire qu'on va trouver les mêmes motifs déclinés à différentes échelles.
donc les centralités locales, puis ensuite, donc, on arrive plutôt à l'échelle des grandes fonctionnalités de la ville, donc les logements, donc toujours à partir de ces centralités, comment est-ce qu'on organise la disposition de l'habitat sous forme de regroupement humain. Puis même chose pour cette fois-ci les lieux de travail, donc qui participent à la constitution de ces centralités également autour de la notion de communauté, collectivité de travail. Voilà, avec des images qui sont illustrées qui illustrent les patterns à ces échelles-là. Puis, en affinant toujours le travail, on descend maintenant au système circulatoire à l'intérieur de ces regroupements de logements et de lieux de travail avec des réseaux de chemins et de voiries locales. Donc, en encourageant le fait qu'ils se développent de façon plutôt informelle. Et donc, voilà, et au coup par coup, au fur et à mesure, c'est pas un truc qui est forcément entièrement planifié. Qu'on réserve dans ces organisations des lieux ouverts publics destinés où les gens pourront se détendre, se retrouver, se ressourcer. Voilà les illustrations qui correspondent à ça. L'image de gauche c'est sur son titre c'est le gradient d'intimité. Et puis, voilà, j'en ai deux là. Comment ça se fait? J'ai sauté une image, une liste. Oui, j'ai sauté une liste. Et puis, non, j'ai pas. Non, voilà. Bon, bah, j'ai. Je crois qu'il y a un petit. C'est pas très grave. Et puis, ensuite, en réfléchissant cette fois-ci à ce qui se passe à l'intérieur des communautés de travail et des communautés de commerce et d'échange, donc ils rentrent dans le détail de ce que sont. Ben, vous voyez la liste à l'écran. Et donc, structurer ces regroupements de travail, regrouper les lieux d'éducation, les lieux d'enseignement, d'apprentissage, de commerce, de rassemblement, avec toute une série de recommandations, préconisations, de motifs qui se rapportent à ces échelles. Puis on passe maintenant donc dans la deuxième partie majeure donc qui traite de l'échelle du bâtiment. Maintenant là on est allé de l'échelle du régional à l'échelle en gros de l'organisation de la ville, des quartiers, de la définition de où se trouvent les différents types de fonctions, on pourrait dire, si on veut, ou d'usage. Et là maintenant donc il rentre à l'échelle bâtimentaire. Donc, et là, il explique que du coup, on sait plus, c'est moins un travail à l'échelle de toute la communauté, c'est à l'échelle des occupants du bâtiment que va s'appliquer le pattern language. Et c'est aussi une échelle à laquelle, pour le coup, on peut mettre en œuvre tous les motifs en une seule fois. Le bâtiment va plutôt être construit, bon, il va être fait, et donc c'est un peu différent. Et donc voilà, à nouveau, donc il va traiter de la disposition des bâtiments, de leur hauteur, de leur nombre, des entrées principales, secondaires, des cheminements à travers l'ensemble, comment dans un complexe les bâtiments sont positionnés les uns par rapport aux autres, par rapport à la nature du site, par rapport à la végétation, par rapport au soleil. Et il explique que c'est un des moments les plus fondamentaux du langage. Donc voilà, à nouveau des images qui parlent là-dessus. Celle de l'image du milieu illustre un pattern qui est assez intéressant, qui ressemble un peu au Zen View d'ailleurs, dans lequel il explique que quand on a un site, faut implanter le bâtiment sur la partie du site qui est la plus moche, parce que comme ça on a l'occasion de réparer ce site. S'il y a une partie du site qui est très belle, ben on la laisse tranquille, c'est pas la peine de s'y mettre. Et je trouve ça pas mal comme point de vue. Puis il descend à l'échelle des différentes, l'articulation du bâtiment, les ailes, les entrées, les jardins, les cours, les toiles et terrasses, le volume autour du bâtiment, le rapport entre l'espace, le yin et le yang de l'espace positif et négatif créé par les bâtiments et ce qui les entoure, qu'on façonne toujours ensemble. Et puis, à nouveau, toujours la question des cheminements à une échelle plus fine autour des bâtiments, les seuils, le chemin, etc. Vous voyez ici, à la fin de la liste, qu'on est
dans une échelle de choses assez modeste. Voilà aussi quelques illustrations de cette série de patterns. Et puis, donc une fois qu'on a fixé ces bâtiments, on revient, pardon, ces cheminements, on revient bâtiment. Et donc, on s'intéresse à ce qui se passe, comment on circule non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Comment les espaces sont reliés entre eux, quels sont les gradients de qualité à l'intérieur de ces espaces, les zones les plus importantes. Donc voilà, là, à nouveau, quelques illustrations issues de cette série de patterns. Puis, la réflexion sur les rapports entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment à l'échelle vraiment des pièces. Avec l'idée qu'effectivement on va traiter la limite entre l'intérieur et l'extérieur comme une entité à part entière. Il n'y a pas l'intérieur du bâtiment et l'extérieur, mais il y a vraiment ce seuil, cette marge, cette bande à la limite entre l'intériorité de l'architecture et son extériorité, qui a une existence propre et qui est extrêmement extrêmement importante, et sûrement une articulation qui devrait, c'est le lieu où les architectes, les paysagistes devraient se retrouver. Non, je pense que c'est un peu l'endroit où ça s'articule. Certainement, c'est un des endroits où ça s'articule. Donc voilà, aussi quelques illustrations issues de cette série de patterns. Et puis, on vient à régler ce qu'il appelle les petites dépendances. Et donc les éléments qui sont un peu indépendants de la structure principale, je sais pas, les balcons, les petits, pas quoi, les cabanes de jardin, les petits pavillons qu'on construit pour les adolescents ou les personnes âgées au fond du jardin, les lieux de travail à domicile, etc. Le balcon qui fait la bonne taille. Donc voilà encore quelques images qui illustrent ça. Puis, il y a donc, voilà, donc là, c'est pour vous, il y a 10 patterns qui parlent spécifiquement du jardin. Non, je suis méchant parce que je sais bien que vous vous intéressez à beaucoup plus de choses que ça, et c'est très bien. Mais il en parle, et donc voilà, il y a toute une série d'échelles qui sont assez intéressantes aussi. À nouveau, voilà quelques images qui sont issues de cette série-là. Et puis on continue à zoomer, donc on revient à l'échelle de la pièce, on va regarder les alcôves, ce qui donne texture et forme à la périphérie de la pièce, à toute une série de dispositifs, de petits éléments qui vont rendre justement ces espaces intérieurs vivants, donc voilà, qui vont jusqu'à la disposition du lit, le dressing, voilà, toutes deux. Voilà, on retrouve notre ami l'escalier. Voilà, encore quelques images qui sont issues de ça. Puis, il est assez partisan de donner de l'épaisseur. Il explique qu'on doit donner de l'épaisseur partout où on peut, mettre de l'épaisseur dans le plan, dans les murs extérieurs. Vous avez vu, il y a pas mal d'images dans lesquelles il montre des ouvertures vers l'extérieur qui sont presque des espaces en tant que tels, hein, des alcôves avec des sièges, un peu comme dans des constructions médiévales, mais également à travers des étagères, des rangements, des sièges, etc. Donc, il y a toute une série de dispositifs à une échelle assez fine à l'intérieur du bâtiment, mais qui permet de créer une sorte de une dimension un peu substantielle à l'architecture, et qui diffère de la simple cloison un peu fragile qui est plutôt caractéristique de nos... Donc voilà, il y a un certain nombre de patterns, donc à gauche, sur la variation des hauteurs de plafond dans les pièces, à droite, le mur de rangement, et encore à droite, les sièges près de la fenêtre. Et puis, dernière part du gâteau, et après on aura pratiquement fini, donc c'est dans cette dernière partie du pattern language, Alexander s'intéresse à la façon dont ça peut être construit. Et de même qu'il met à la disposition finalement du public un outil pour faire de la conception collective, il propose aussi que la construction puisse être collective. Donc il va s'intéresser à des formes de construction qui seraient assez adaptées à l'autoconstruction, alors évidemment à des échelles plutôt domestiques, enfin relativement modestes.
Évidemment, Alexander, ça vous a pas échappé, les années 70, la contre-culture aux États-Unis, c'est quand même quelque chose. C'est toute l'époque, je sais pas, du Horowitz catalogue et toutes ces choses-là. Donc, c'est une vraie, il y a une vraie dynamique autour de ça. Donc, il s'inscrit dans cette dynamique. Mais il développe aussi des procédés, alors plus ou moins, qui n'ont pas tous fait vraiment Flores. Mais en tout cas, il s'intéresse à cette idée qu'on peut construire le bâtiment soi-même, qu'on peut même commencer par le préfigurer en le traçant sur le sol, en ajustant le plan. Ça dit pour construire, vous n'avez pas besoin de plan, vous avez besoin d'une bonne décision sur le pattern language, et ensuite, vous construisez votre bâtiment directement en le piquetant sur le sol, et puis en construisant les arêtes, en matérialisant les arêtes, en testant si ça vous paraît bien, en le bousant si nécessaire, et finalement, vous durcissez progressivement votre bâtiment. Peut-être que c'est un peu à la façon dont il imagine la construction de la ville, c'est que c'est pas forcément, qu'il y a pas forcément quelque chose de définitif, et on apprécie comment ça va être progressivement. Et donc voilà, c'est ce que raconte cette partie du pattern language. Donc à nouveau, juste un balayage très rapide. Et donc il propose ce qu'il appelle une philosophie de la structure. Et donc il dit, voilà, avant de définir les détails de la structure, établissez une philosophie de la structure qui permettra à celle-ci de se développer directement à partir de votre plan et de votre conception des bâtiments. Donc, il dit que c'est peut-être la seule chose qu'on doit dessiner, c'est ce schéma structurel. C'est peut-être pas une mauvaise idée, ça, c'est un peu l'ingénieur qui parle chez moi. Si on veut que ça tienne, c'est peut-être pas mal comme d'y avoir, de pas juste le bricoler. Et à partir de là, c'est effectivement, on dessine le bâtiment sur le sol, on implante le bâtiment, et puis, on commence à positionner l'ossature principale du bâtiment. Directement sur le terrain. Et voilà, donc quelques images aussi donc de chantiers collectifs et puis aussi d'autres. Il parle de la façon dont les poteaux rejoignent le plafond, etc. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que c'est bon. Et puis ensuite, il explique qu'à l'intérieur de cette ossature, ben on vient maintenant fixer les ouvertures, les encadrer, ensuite intégrer les motifs secondaires là où ils sont appropriés, et puis les détails extérieurs, puis les détails intérieurs, donc à nouveau voilà, les illustrations. Puis on termine finalement par le parachèvement du bâtiment avec son ornement, sa décoration, la question de la lumière et la question aussi des objets qui font que le bâtiment est pas seulement un bâtiment, mais aussi un lieu qu'on habite. Donc voilà, je suis arrivé au 253e et dernier pattern. Donc je suis content que vous ayez, je sais pas, évanoui pendant cette longue énumération. Donc juste en guise de conclusion, mais assez bref finalement. Donc d'abord, je voudrais vraiment, bon, j'espère que je l'ai fait, mais je vais enfoncer le clou, de dire que je pense que ce serait vraiment une grave erreur d'imaginer que le pattern language est une simple collection de dispositifs architecturaux qu'on pourrait appliquer de façon automatique et irréfléchie. C'est vraiment une méthode. Elle est ouverte. Elle est destinée à faciliter un travail collaboratif pour des projets qui sont spécifiquement destinés à des situations particulières. Donc, c'est pas du tout une façon de standardiser les choses. Pareil, on regarde un peu sur le web ce qui se passe. J'ai vu que quelqu'un proposait d'intégrer le pattern language et le BIM. Je suis pas tout à fait sûr que ça soit ce qu'il faille faire. Je suis même plutôt à peu près certain que c'est une très très mauvaise idée. Et donc, je pense que je l'ai dit en entrée de jeu, il me semble qu'aujourd'hui le pattern language, il peut avoir deux fonctions intéressantes: la méthode, la posture, la façon de réfléchir. D'abord parce que c'est un outil pour, comme on l'a vu à travers beaucoup des références d'Alexander, c'est un outil pour examiner des façons de faire qui existent déjà, qui ont déjà existé. Donc c'est une façon, c'est une sorte d'approche anthropologique, donc qui permet de comprendre ce qui marche et ce qui marche pas, et peut-être aussi ce qui a marché,
dans d'autres temps, dans d'autres époques. Et donc, dans deuxième moment, enfin deuxième effet ou potentiel intéressant du pattern language, c'est l'idée que à partir de ce cadre analytique, si on veut, de diagnostic, on peut imaginer de se servir du langage des motifs pour proposer, imaginer, transmettre des nouvelles façons d'aménager, de construire et d'habiter qui soient spécifiques aux territoires dans lesquels on fait les projets. Et donc, et là, peut-être, je viens plus vers l'idée du post-carbone que directement vers celle d'Alexander, mais je pense que du coup, ça fait beaucoup sens parce que la question des bouleversements environnementaux qui sont en cours, hein, le changement climatique, la sixième extinction de masse, les questions de carbone et puis les questions de matière font que réellement on est en train de changer de paradigme et de bouleverser les conditions limites de la construction de nos bâtiments, de nos villes et de nos territoires. Donc dans le fond, on est sur le point de travailler dans des territoires inconnus, littéralement, enfin climatiquement. On va glisser vers des latitudes plus tropicales, plus chaudes. Hein, dans 40 ans ou 50 ans, le climat de Paris, ressemblera pas mal à celui de Séville aujourd'hui. Ben, on ne construit pas pareil à Paris et à Séville. Et ça, c'est juste un fait. Et donc, dans le fond, on est, je pense, tous intéressés à comprendre comment on va pouvoir travailler dans ces nouvelles conditions. Et je pense que le pattern language peut nous donner une façon de réfléchir à ces nouvelles conditions, son approche organique, sa résistance aux approches acontextuelles et standardisées du monde, qui sont quand même assez caractéristiques de la modernité, où on est venu poser les mêmes projets un peu partout, parce que de toute façon, on pouvait pomper plein de chaud, plein de froid dedans, donc c'est pas très grave climatiquement. Il y avait beaucoup de matériaux, beaucoup de matières, beaucoup de ressources, etc., etc. Et donc ça permet, je pense, le pattern language nous permet, je pense, d'ouvrir la porte à des projets qui seront vraiment racinés dans les lieux et dans les pratiques des humains qui sont destinés à les habiter, dans des futurs résilients, décarbonés et désirables. Voilà. Je pense, ah oui, qu'est-ce que j'ai, ah oui, si, je vous avais promis ça, donc voilà, ça c'est assez important si vous voulez poursuivre l'exploration, parce que j'ai vraiment juste ouvert le livre, je me dis voilà ce qu'il y a dedans, mais en fait je vous ai rien dit. Si vous avez envie d'aller regarder plus en détail ce qu'il y a dans le pattern language, voilà l'adresse du site web où on trouve tout. Et puis je vais mettre à l'écran quelques images du pattern un peu prises comme ça, à nouveau au hasard. Et si vous voulez poser des questions, ben je veux bien essayer d'y répondre dans la mesure où je peux le faire. Voilà. Merci. C'était très intéressant. Moi, j'avais pas une question, mais je voulais te faire une petite demande. Ce qui m'intéresse énormément, et encore plus à l'écoute ce matin de cette conférence, c'est le côté, les intitulés des patterns, en fait, ils ont un sens politique et aussi conceptuel. Mm-hmm. C'est vraiment une vision du monde qui est assez intéressante. Et tu dis à un moment que c'est un outil pour travailler à plusieurs. Et moi, c'est ce que j'avais envie de témoigner, c'est que oui, en fait, vraiment, parce qu'on l'a vu rien qu'avec nos étudiants sur quelques semaines, hein, c'est un temps très court, que, en fait, oui, c'est un outil pour travailler à plusieurs, ça a complètement décloisonné architectes et paysagistes, où d'un coup, le pattern, on était en train d'essayer de repérer tout ce qui peut être pattern, et tout était mélangé, en fait. Oui, bien sûr. Oui. Et l'objectif commun, en tous les cas, et on le voit beaucoup dans ces images, c'est le l'humain qui est au cœur. Bien sûr, et le bien-être. Et le bien-être, en fait. Mmh. Et c'est vraiment intéressant. Et donc, je me disais, comment tu conseilles
nos jeunes professionnels. Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi, cette méthode, à ton avis, pour Bah, faire des moi, projets? oui, je pense, Quand oui, tu bien fais sûr. tes infrastructures, tu y penses? Alors, Ça fait partie j'y pense, du alors, concept? pas d'une façon collaborative, je pense que ça fait partie de ma culture et de certainement, enfin, je veux dire, je pense que, pour le coup, ça c'est vraiment personnel, mais évidemment, quand on réfléchit à une infrastructure, c'est pas juste un objet technique qui sera à franchir, c'est aussi un espace public, souvent un espace public contraint, puisque tout le monde est obligé d'y passer, pour le coup, puisque les franchissements, en général, il y a un obstacle géographique infranchissable, donc on met un pont ou une passerelle pour traverser, et du coup, la qualité de l'expérience de cette traversée, elle est vraiment au cœur de la réflexion qui mélange l'architecture et la structure. Enfin, c'est très intéressant, hein, pour une passerelle, c'est une sorte d'instrument à voir le paysage. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui vont au-delà de la simple question pragmatique de porter des gens, de créer un sol artificiel au-dessus du. Et c'est pas non plus la question de l'exploit et de je sais pas quoi, de la figure sculpturale dans l'espace, même si ça l'est aussi presque par force, parce que c'est toujours très grand. Donc oui, je pense que ça, voilà, ça fait comme Hélène dont on parlait il y a quelques minutes. Voilà, ça fait partie de notre bagage, bagage culturel et architectural. Mais peut-être une autre chose aussi qui me paraît intéressante. Je pense que nous, enfin en tout cas pour l'étude de Basse-Pointe, on met beaucoup d'espoir dans la dimension justement collaborative des patterns pour arriver non pas avec des propositions d'aménagement un peu descendantes en disant nous à Marne-la-Vallée on a compris comment vous aux Antilles vous devez vivre donc vous vous expliquez comment faire, mais plutôt pour arriver avec une série d'outils que sont les patterns pour le coup pour dire ben voilà voilà ce qu'on a pensé, qu'est-ce que vous en pensez, et du coup être capable de mettre la question du projet en partage avec une méthode suffisamment structurée pour que on puisse effectivement en discuter avec non seulement les élus, les techniciens de la ville, mais aussi avec les habitants. Et de dire, ben voilà, ça donne un cadre. Et donc, on espère bien que ça va pouvoir se passer un peu cet été si on arrive à le mettre en musique. Et donc, je pense que c'est. Pour nous, je pense que ça, ce serait vraiment très intéressant, et je pense que ça peut vraiment beaucoup servir à nouveau, voilà, la dimension politique que tu soulignais tout à l'heure, où ça permet peut-être d'introduire c'est peut-être un outil pour introduire des dispositifs démocratiques dans des questions d'aménagement urbain, de construction, etc. Oui, parce que ça permet de voir l'univers dans une globalité, D'en tu l'as parler. dit, interscalaire, quoi, mais de la place de l'objet dans sa maison jusqu'au grand territoire, et qui donne du coup une vision du monde qui est assez intéressante pour étudier les problématiques aujourd'hui et pour re-questionner tout ce qu'on a re-questionné aujourd'hui. Et Tout à donc ça fait. permet d'aller au-delà des habitudes, des traditions, et de regarder différemment. Donc c'est vrai que c'est une méthode Oui. qu'on peut développer, qu'on doit développer. Il y avait aussi une autre question, c'est à ton avis, pourquoi ça s'est développé dans l'Ouest américain à ce moment-là? Est-ce qu'il y a d'autres approches identiques qui ont pu se développer sur d'autres continents même, à cette même période, ou bien Alors d'autres sûrement, peut-être ailleurs? je connais pas bien. J'ai un peu, j'ai pas vraiment cherché d'équivalent. J'ai un peu, je pense qu'il y a, enfin, je sais pas très bien ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que Alexander, en fait, il bascule de sa vision assez techniciste, dans lequel la théorie des graphes et les ordinateurs sert à fabriquer la ville et les bâtiments, au moment où, quand il a fini sa thèse à Cambridge, hein, donc à Harvard aux États-Unis. Il part, il devient, on offre un poste de professeur à l'université de Berkeley. Donc c'est le plus jeune professeur de l'histoire de l'université. Et là, il est évidemment, je pense qu'il tombe sans doute dans une ambiance culturelle. On est dans la fin des années 60, donc c'est les grandes dynamiques étudiantes, les grands mouvements étudiants qui sont assez puissants à Berkeley. Il y a aussi, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à. Il y a
un théoricien politico-écologiste qui s'appelle Murray Bookchin, qui est très populaire à ce moment-là, qui fait le lien entre. Il a une trajectoire aussi, lui, très intéressante, puisqu'il vient vraiment d'une sorte de marxisme très, très, très pur. Et puis il s'intéresse plutôt au mouvement anarchiste et de la guerre civile espagnole, des façons dont les collectivités humaines s'auto-organisent. Et en même temps, il est très intéressé par l'écologie, par tous les trucs. Il écrit un livre en même temps que Rachel Carson, qui écrit Silent Spring. Lui, il écrit un livre un peu de sa même chose sur l'empoisonnement de l'environnement. Donc il est très intéressé. C'est vraiment une sorte de précurseur. Et donc il est assez influent à ce moment-là. Et donc lui, il met Bookchin, il met vraiment en rapport. L'environnement et la structure politique, la façon dont j'en parle. Est-ce que c'est une influence? C'est pour ça que je disais que ce serait, mais j'ai jamais eu le courage de le faire, de vraiment passer au peigne fin toutes les références et voir de qui il parle et d'où ça vient. Mais on peut imaginer qu'en tout cas, c'est ce type de réflexion politique et imprégner la culture du campus et des jeunes collaborateurs de Alexander dans les années à la fin des années 60 au début des années 70 dans enfin, tout cet ouvrage ça a pris quand même 14 ans à écrire donc il y a une certaine stratification une certaine sédimentation de connaissances et de points de vue qui s'est faite et donc on peut imaginer effectivement se passer dans le Zeitgeist de Berkeley dans les années 60-70 quoi sûrement. Après des influences précises, je ne suis pas capable de dire. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette culture? Je donne ça, c'est un petit micro, c'est plus facile pour nous. Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention. Ma question est portée sur le changement de paradigme d'Alexander et sur cette vision dont vous parliez mathématique. Et en fait, quand vous montriez la tapisserie des motifs, moi je voyais un graphe. C'est vrai. Et donc, est-ce qu'il est passé d'un arbre avec un rapport donc parent-enfant à ce graphe où, pour lui, c'est plus du tout un graphe, la manière dont il conçoit ces patterns-là? Alors, effectivement, alors, c'est pas lui qui a dessiné, enfin, la figure que j'ai montrée, c'est plutôt une analyse qui est faite a posteriori. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, lui, ce qu'il a, je pense qu'il a, évidemment, il n'a pas renié sa culture mathématique. Enfin, elle est là. Mais par contre, ce qu'il rejette, c'est la relation univoque entre chaque étage d'une arborescence logique. Et donc, son point de vue, c'est que la structure logique de l'organisation d'une ville ou d'un bâtiment, enfin de tous les sujets qui l'intéressent, est plus complexe que la hiérarchie de l'arbre. Donc, je pense pas qu'il ait dit, allez, les maths, ça a plus de sens. Mais donc, effectivement, vous avez raison, il y a toujours une vision, on peut toujours trouver une vision mathématiques, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se garde bien de la mentionner dans ses textes. Il est beaucoup plus métaphorique. À la limite, ce livre, il ressemble un peu par son volume au I Ching, qui était très, très célèbre à l'époque. Et donc, c'est un peu cette qualité-là aussi. Il y a un peu des explications un peu voilées, un peu mystérieuses, la qualité sans nom, etc. Voilà. Donc, je pense qu'il cherche plus à nous convaincre à travers d'autres outils que les mathématiques. Merci de votre conférence. Dans Wikipédia, il est noté que quelques villes aux États-Unis ont suivi cette méthode ou s'en sont inspirées fortement. Est-ce qu'on peut faire une analyse de ce qui a été fait dans ces 30, 40 ou 50 dernières années à travers cette méthode dans ces villes particulières dont j'ai oublié le nom, Boston, je crois, ou d'autres. Non, je ne sais pas. C'est ce qui est noté dans Wikipédia. D'accord. Alors, j'ai pas regardé cette partie de Wikipédia. Je serais pas capable de vous dire. Ce que je sais, c'est que là où je l'ai vu mise en œuvre, mais à une échelle relativement modeste, c'est sur le campus de l'Université d'Oregon, où effectivement un certain nombre d'aménagements ont été faits. À l'époque d'Alexander et ensuite le plan directeur du campus continue, comme j'expliquais tout à l'heure, à être réfléchi en fonction de ces patterns. Donc, est-ce que ça en fait un campus foncièrement différent? Enfin,
dans son aspect, c'est pas, c'est, je ne pense pas qu'on puisse vraiment le dire comme ça. Hein. C'est, j'ai pas, là, je voulais vraiment parler du pattern language plutôt que de la production d'Alexander. Il y a aussi des livres sur la production d'Alexander qui elle est assez idiosyncratique et peut-être assez, pour le coup, qu'on peut remettre en question plus fortement. Mais je pense que c'est, je peux pas répondre à votre question, en fait, je sais pas. Pas trois questions, mais juste trois points qui mériteraient, je crois, un développement plus large, mais dans le cadre de cette conférence, évidemment, ça n'est pas possible. C'est sur l'évolutivité. Comment il conçoit l'évolutivité de ces patterns. Et là, on a l'impression quand même que c'est très proche de son époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, il est évident que tout le monde était darwinien, tout le monde savait que les choses évoluaient. On le constatait, mais on ne comprenait pas très bien les mécanismes qui permettaient cette évolution. Le second point, c'est le travail en commun. Ça, c'est un terme très beau. Béatrice en a parlé, mais enfin, comment on fait du travail en commun? Il y a bien des méthodes très différentes qui aboutissent à des résultats très différents. La notion d'arbre, qui est très très intéressante aussi, le refus de la notion d'arbre, non pas parce que je suis paysagiste, mais parce que justement, on a trop souvent cette analogie de l'arbre, de la vie, du cœur, de tout ça, qui est complètement bidon, qui fait partie des analogies d'ailleurs, et qui n'apporte pas grand-chose dans la construction de la ville. Et puis je ferai une remarque finale, il a un côté très précurseur, parce que dans sa liste à 256 points, on a l'impression que c'est 256 calques d'AutoCAD. Et c'est-à-dire qu'on les allume, on les éteint, ils n'ont pas de rapport entre eux, on en oublie un, brusquement il y a un arbre au milieu de la route, tiens, le banc n'est pas à sa place. Enfin, je trouve ça merveilleux, il était en avance de 50 ans. Oui, je ne pense pas qu'il l'avait envisagé comme ça, mais bon. Je pense effectivement, c'est très intéressant, ça me déclenche un truc. Je pense qu'il n'y a que l'intelligence artificielle qui pourra tirer profit de ces listes. Très bien. D'autres remarques, non? Les étudiants, vous voulez pas faire un petit témoignage? Quelques mots? Non? On a que les archis qui sont là? Enfin, non? Bon, pas, non, pas spécialement. Pardon, désolé. Après, on travaille sur les patterns. D'accord, ok. Ma question était liée à ça, justement, c'est en fait comment dans le master vous l'avez abordé et comment vous l'avez adapté et comment par rapport à. Le projet que vous avez façonné, ça vous a servi et ouais, concrètement, sur des sujets concrets, comment vous l'avez dit. Allez, c'est vous êtes obligé de répondre maintenant. On s'en est servi dans le sens où que ça soit vraiment un objet dont vraiment les citoyens et les gens de la Martinique puissent se saisir plus que les architectes, les constructeurs, les gens qui sont au fait de ça. Donc ça peut paraître être des banalités comme ont été avancées, mais évidemment de dire qu'en Martinique il y a beaucoup de soleil et donc que mettre des panneaux solaires c'est bien plus intéressant qu'en métropole, bah c'est un fait, mais c'est un point qu'il faut soulever, dont pas spécialement les gens sont au fait, et c'est toute une question d'organisation spatiale, organisation du logement, organisation du territoire, qui est propre à la Martinique en l'occurrence, et n'est peut-être même pas forcément juste par rapport à notre analyse. C'est pour ça aussi qu'on est allé sur place et qu'on va y retourner, pour pouvoir approfondir ceci après avoir un peu étudié les patterns plus en profondeur. Moi, je dirais pour compléter sur la partie... sur ce travail à basse pointe, c'est que effectivement les crises sont tellement complexes et cumulées sur ce territoire là actuellement, donc l'érosion du littoral, les sols qui ont été largement abîmés par la chlordécone, donc l'implantation des maisons qui sont sur des territoires sur l'érosion des falaises, d'autres maisons implantées sur le littoral qui sont soumises aussi aux submersions marines. Enfin, énormément de problématiques cumulées qui font que le pattern nous a permis vraiment d'inventer un nouveau langage, en fait, aussi, justement, sur ce territoire-là pour partager toutes ces histoires complexes, donc avec l'exploitation des
les habitations, l'histoire des Indiens originels, l'histoire de toutes ces populations qui sont venues sur ce territoire, le côté insulaire, les problématiques volcaniques, l'arc caraïbéen, le réchauffement des mers, le réchauffement, tout ça mêlé. Et bien finalement, ça a été pour nous, enfin moi je trouve que c'est merveilleux cet outil de l'utiliser ensemble archipaysagistes. Ça mène en fait concrètement à des genres de fiches actions en fait, tu vois. Et ça n'empêche que il y a quand même un projet global sur la commune qui est fait par chacun et que on travaille le projet quoi, de paysage ou projet d'architecture, voilà. Mais donc ça ouvre un champ en fait de partage. C'est ça surtout qui nous intéresse. Vous voulez prendre la parole? Juste pour changer un tout petit peu par rapport au fait que les patterns peuvent être piochés un peu en parlant, c'est que c'est beaucoup comme actuellement des certifications environnementales, comme le BDF où on a des grilles, pas de vie, mais plutôt une grille environnementale, et où ça aide comme un checklist pour un projet. Oui. Je ne vais pas reprendre la parole. Je n'ose pas trop prendre la parole, je m'en excuse. Mais à l'écoute comme ça, je trouve qu'il y a quand même deux parties. Et il y a une partie vraiment passionnante, une autre partie dont je comprends les critiques qui ont été exprimées. La première partie, c'est quand il définit des choses, quand il dit c'est un motif, c'est une séquence, c'est un modèle. Ça, je trouve ça très intéressant parce que le motif, c'est ponctuel. La séquence, c'est attachée en amont et en aval. Et le modèle, au contraire, il a une descendance. Et c'est quelque chose qui permet de réfléchir sur l'évolution de la forme des objets par elle-même. Par exemple, si on prend la carrosserie automobile, on voit bien que chaque voiture influence la suivante. Comme s'il y avait une évolution darwinienne des objets. Donc je trouve toute cette partie est passionnante. Maintenant, sur les listes, là, je laisse les autres. Non, mais peut-être j'aurais pas dû le faire parce que c'est de noter combien c'était important. Enfin, c'était intéressant de parler de ces patterns, de leur vie et de leur application. Je pense que c'est un peu comme si j'avais essayé de vous parler des Misérables en vous donnant simplement le titre des chapitres. Je pense que ça aurait été un peu la même frustration, c'est-à-dire que on comprend pas comment ça vient Donc je peux que vous inviter à aller sur le site et jeter un coup d'œil. Très clair. Ouais. Bon, très bien, on va clôturer cette conférence. Merci à tous, merci d'être venus. Et puis on se retrouve le mois prochain avec Anne Wozniak, qui est paysagiste au sein de la ville de Nevers. Donc qui parlera sa pratique de paysagiste en maîtrise d'ouvrage. Voilà, merci beaucoup Jean-François. Oui, je t'en prie, merci. Merci.